Salut à tous, c'est Chérika, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour le Fanfaron. L'épisode Fanfaron, c'est le dernier épisode du monde 3. On a quasiment fini. On a quasiment fini le fameux monde 3. Bon, j'ai un petit peu merdé avec. Putain, comment c'est trop stylé en fait le décor. On a un petit peu merdé avec certains mobs. Donc du coup, tu vois que ma libellule, elle a déjà eu deux coups dans la gueule. Elle est là, elle est morte. Oh, ça c'est fait. C'est quoi ça? Ah, c'est ça le boss? Non. Il n'y a qu'un seul dragon à trouver. Bon, on va aller voir là direct. Hein. Écoute. Là-bas, c'est encore un mage. Là, c'est notre fameux dragon à trouver. Bon, je fais gaffe quand même, hein. J'ai pas envie d'aller trop vite non plus et puis de crever là. Alors, tu vois que les boss sont vraiment pas compliqués du tout. Merci de m'avoir libéré, Spyro. Tu n'imagines pas combien de temps je suis resté piégé dans le cristal. Et moi non plus. Qui es-tu déjà? Je dois y aller. Tant qu'on a quasiment tous les dragons, bah déjà là sur ce monde, on a tous les dragons. Lui il bouge plus, ouais. Donc là c'est le boss. Ok. Je vais aller voir là-bas d'abord. On sait jamais. Donc là, on revient au début du monde. D'accord. Ouais, mais attends, tu viens même pas m'attaquer, mec. T'es sérieux là? Ah oh, mais mets-moi de la difficulté parce que là laisse tomber, je me fais yèche. Hey, t'as un boss normalement. J'ai l'impression plus t'avances et plus les boss sont simples à niquer. Bon voilà, j'aurais dû fermer ma gueule. Bah, au moins, je vois qu'il peut avoir un petit peu de difficulté. Là, il commence à mettre des coups d'éclair. Enfin, de toute façon, moi, je le retouche une ou deux fois, il est mort. Bien ce que j'ai dit. Et là en fait j'ai ma libellule, tout à l'heure je l'avais pas.
et le boss est mort. C'était aussi simple que ça. Et là, normalement, je suis à fond. Et je suis bien à fond, j'ai bien fini le mode aussi. Trophée obtenu, collector. Donc, le boss y était très très rapide. On va découvrir le monde 4 ensemble, parce que là, t'as vraiment pas eu beaucoup de temps dans la vidéo. Hein. Ou sinon, je te le laisse comme ça et je te fais tout de suite le monde 4. Enfin, je sais pas. Là, c'est vrai que t'as eu que dalle dans la vidéo. Merci, Spyro. Tu as retrouvé tant de nos œufs de dragon. Bon, on va aller visiter un petit peu le monde 4. Le monde des créateurs d'animaux. Voudrais-tu y aller? Il a vraiment été vite en fait le boss. Et j'ai l'impression que plus tu avances et plus les boss sont rapides à faire. Ah, il fait un petit peu sombre. Ça va changer un petit peu. Ah, c'est vraiment pas mal le dégât. Un petit peu marécageux. Ouais, une poulette. Ah ouais, c'est de l'eau, donc faut faire gaffe. Donc eux, pour les avoir, il faut que tu voles. Donc il me faut 300 de dragons. Ok. Donc on a déjà le premier portail là, le village. J'ai pas su lire. Hein. Nastic Nork transforme notre marais en décharge électrifiée. Oh, et qui était si beau. Je n'en doute pas. Non, le premier niveau, ça sera village terrassé. Le deuxième là-bas, c'est paradis brumeux, je crois. On va aller voir tout de suite. Paradis brumeux. Eh, pas trop cher. Non mais oh, tu me forces pas dedans comme ça, toi. C'est paradis brumeux. Le transporteur y est là-bas. Donc à mon avis, on va voir le boss par là-bas. On va aller faire le dragon tout de suite. Hein. En fait, on va faire. Je pense que je vais couper la vidéo au boss. Et je te mettrai quand même la découverte. De toute façon, je pense que tout ce qui va être let's play, il va avoir 2 épisodes par jour. Ça sera plus simple. Surtout là, t'as quoi? T'as 5 épisodes par monde. Ouais, ça te fait 25 vidéos. Ça peut être intéressant. Donc là, ça a été fait. Donc il nous reste là-bas à aller voir. Paradis brumeux, ok. Non mais Facochère, tu fais pas la, tu fais pas le poids là, t'as du chichi en face de toi. Tout le tour, tu vois, regarde, là c'est indice, la cime des arbres,
à notre monde. Là derrière, tu voyais bien caché cet enculé. Par contre, la musique elle m'énerve. Ouais, donc il faut arriver par là. Tiens, vas-y, bouffe. Ça c'est fait. Là on va voler direct. On ressaute et on le touche. Là lui va l'électrifier. On court, on saute et on le touche. Donc là on a la cime des arbres, on est bon. Normalement il nous en reste un à trouver, un ou deux. Là c'est le village, ok, on a la cime, on en a trouvé 4, là c'est Métallide, c'est le boss à mon avis. Donc il nous reste celui, le cinquième à trouver, il nous reste le vol. Et je pense qu'il va se trouver dans la bouche. Ouais, moi je dirais bien derrière Métallide. Bah non, c'est la cime des armes. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? En plus, il faut aller jusque là-bas. D'accord. T'en as là-bas. C'est paradis. Ah, il est peut-être plus loin aussi. Hein. Bon, on verra bien. On va les ramasser là-bas. De toute façon, on verra bien comment ça se passe. En plus, j'ai la fameuse clé qu'il faut tout le temps. Voilà. Voilà. Allez, ça me saoule. J'ai eu la clé quand même. Donc c'est bon, je suis plus obligé d'y retourner. Je voudrais bien savoir où il se trouve le vol. J'ai tous les dragons. Ok, il m'en manque quand même 60. Oh. Bah y'est là le vol. Bah le prochain épisode on va commencer directement par le vol. Bon moi voilà, j'aurais pas besoin de le chercher longtemps. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Je te dis à bientôt, c'était Shirika.